Yo Trap, on dit quoi? La forme? Bon, si je te fais ce geste-là, après je vais comme ça là. Est-ce que j'ai bien fait? Tu vois un peu le geste? Le demi-tour slide. Ça te fait penser à quoi, mec? C'est la drill, man. Ça, c'est la drill musique direct. Voilà, c'est le sujet de notre émission du jour. Bonjour et bonsoir si on est en après-midi ou en soirée pour chaque cher téléspectateur. Je suis là avec mon frangin Trapatoni. On est un peu en train de discuter sur le rap actuellement, les tendances et tout ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui on va parler de la drill musique. Voilà, la drill musique, ce mouvement avec des battements assez rythmiques, assez rythmés, avec des lyriques assez violentes, des percussions. C'est la street en fait, ouais, ça c'est vraiment la hurle, tu vois. Avec, voilà quoi, c'est du sombre en fait. Ce style de musique qui de plus en plus est en train de faire parler de lui, voilà, même en Côte d'Ivoire récemment. J'ai vu un truc de certain JN, ouais, avec JN, son ouais, avec son poteau comme ça là. Tu vois, ils arrivent même à allier ça avec le coupé décalé. C'est un peu. Ouais, tu vois. Les bro qui mélangent le coupé décalé. Voilà, je pense que c'est un peu le mouvement qui s'adapte un peu plus au rythme africain. Je pense que c'est pourquoi ils ont autant de facilité à. Tu vois un peu. Donc voilà, c'est un peu l'objet de la rubrique originale vidéo. Là où je m'en vais vous faire découvrir ces mecs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Sur le titre coupé décalé, il s'agit de JN et son pote avec des locks là. Bon. Et on se retrouve juste après pour parler de la drill. Vous voyez, aujourd'hui on va parler de la drill musique. Je suis avec mon petit Trapatoni, un driller branché, en chef, un branché. Voilà, on va se lancer comme ça là et puis on se retrouve juste après pour l'interview. Shout out. Les jambes, faut du col,
décaler, Kizito, Yao. Faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler. M'en vie parfait, Wizard. Le boss Tanuti. Faut décaler, faut couper, faut décaler. C'est Dieu. Mon frère, le gars, il a vraiment fait du sale hein, au state, le mec. Ouais, c'est ouf. Là. Vraiment, je suis même dépassé. Voilà, on s'est savouré ces mecs de la Côte d'Ivoire, là. On se regardait ce titre qui s'appelle Coupé Décalé. Voyez un peu comment les mecs ont associé le mouvement Coupé Décalé qu'on connaît, qui a été impulsé par Doug Saga et tout, et compagnie. Et voilà comment ils mélangent un rythme drill. Voilà, ça donne un truc assez hip-hop et assez sombre. Voilà, le mouvement drill, c'est le mouvement dont on va parler aujourd'hui à notre émission, vous voyez. C'est un mouvement qui est né au niveau de Chicago aux États-Unis et a été propulsé notamment par des artistes comme Chief Keef, des mecs de la rue, voilà, des gars qui appartiennent à des gangs. Tu vois Chief Keef, non? Ouais, je connais. Tu vois, Love Sosa de Chief Keef, le morceau il pétard en ce moment, voilà. 177 millions de vues. Tu vois, 177 millions de vues, mon gars, sur YouTube, c'est pas rien. C'est des mecs comme ça là, voilà, qui ont propulsé le mouvement au niveau de Chicago. Et peu après ce mouvement aussi, il a été, on va dire, adopté par certains gars de Londres. Ouais, certains gars de Londres qui ont eu leur propre style de drill aussi. La UK drill, effectivement, c'est des gars comme Big Shaq, par exemple. Big Shaq avec le titre Man's Hot. Man Not Hot. Man Not Hot. C'est-à-dire qu'un homme n'a jamais chaud. I tell a man's not hot. The girl told me take off the jacket. I said babe, man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. The girl told me take off your jacket. I said babe, man's not hot, never hot. Ouais, Big Shaq, il a vraiment percuté cette drill là, tu vois comment le son il attaque et puis c'est chaud. Ouais, c'est le mec, il a même encore un autre son qui s'appelle Men Don't Dance, non, je crois. Men Don't Dance. Don't Dance. Ouais, donc ça veut dire que donc le mec il danse jamais, tu vois, ça c'est carrément. She stepped to my crib. Man don't dance. Touch my chest. Louder. Man don't dance. Voilà, il montre un peu aussi la particularité du style de musique, c'est pour des gars sombres, tu vois, c'est des mecs vraiment carrés, c'est pour les bad boys en fait. Ce mouvement drill dont tout le monde parle, c'est un mouvement vraiment qui est né, pas forcément au niveau des rythmes de musique, mais c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit social, on va dire, c'est un fait de société en fait, ça part des faits de société en fait. C'est le mouvement de violence, de revendication, de quartier, de gang, de pauvreté qui fait en fait naître la précarité, tu vois, après les trafiquants de drogue un peu, c'est leur manière à eux de s'exprimer en fait. C'est pourquoi tu remarques même le style drill, c'est un rythme, tu as l'impression que les gars sont trop défoncé au studio, ouais, quand les gars rappent. Hein. Vraiment, c'est des battements irréguliers. Ouais, décalés. Décalés. Tu as un BPM qui est à peu près choix 70 et 80 battements par minute. Vraiment, c'est de la musique douce à peu près, mais c'est lourd en fait. Lourd, ouais. Voilà, donc on a l'exemple du jeune rappeur qui a vraiment propulsé le mouvement de drill, ouais, au niveau de Brooklyn. Le jeune qui est né à Brooklyn et qui a fait péter le mouvement d'étoiles montantes Pop Smoke, voilà. Voilà, effectivement, sur le titre Dior. Voilà, il a vraiment fait du sale avec ce titre-là. Mais le mec, on l'a tiré, il a pris des balles à aller, le mec. Ouais,
tu vois, c'était un règlement de compte. C'est vraiment dommage que le mec soit mort si jeune. Vraiment. Tu vois, des morceaux comme Welcome to the Party, vraiment. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot. Give me lit. Give me lit. Gun on my head. One and a half. One and a half. Send in the clip. Send in the clip. Baby. Baby, baby. Baby, don't trip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Lower your tone. Cause you can get hit. Don't let the hell in. Il y avait de l'avenir, en fait, pour le gars. Mais ah bon. Du potentiel. Du potentiel, mais vraiment, c'est dommage, en fait. Voilà, dans l'air du temps, en même temps, tu vas trouver des mecs aussi comme Five Yo Fi. Ouais, tu connais le Five Yo Fi, non? Voilà. Le mec, il est hoche. Il a part, il se démarque. Il se démarque beaucoup. She like, why you so sexy? Hey. Fell in love when she met me. Tell your ex to come check me. Hey. Oh, she didn't get messy. Mais ce qui est dommage avec le frangin, c'est que ça drill vraiment, elle, c'est vraiment une lueur d'espoir pour la drill des States après Pop Smoke. Mais sauf que le mec, apparemment, il est très rattaché à la rue. C'est quoi son problème? Il est toujours dans des trucs où il est dans des agressions à main armée. C'est le mec, va être dans un braquage. Tu vois un peu, ça déteint un peu son image de mégastar. Voilà, il est trop rattaché au Wood et voilà, si tu regardes des titres comme Big Drip, tu vois, tu sens que ça c'est le Wood, mon gars, il n'y a rien à dire. Hein. Des titres comme Waity, ça va, au niveau classe, le titre encore, le clip encore plus classe, mais toujours le mec, il a sa manière de driller vraiment, ça jette de ouf, hein, vraiment. Son trust qui fait un hommage à un gars, King Von, un de ces gars encore qui a Kill. Ah, tu vois que ouais, c'est que des mecs qui meurent, c'est vraiment la sombreur à son apogée, quoi, ce style de musique en fait. Mais quand tu vois le mouvement, comment il s'est répandu depuis les États-Unis, il tend à venir à Paname. À Paname, vraiment, ça commence à driller de plus en plus. Hein. Oui, il y a des premiers, il y a des gars qui sortent du lot là et tout. Il y a des gars qui sortent du lot. Quand tu vois par exemple des mecs comme par exemple Freeze Corleone sur le remix, effectivement, Welcome to the Party. Il a fait un remix le jour même du décès de Pop Smoke. Ah ouais, c'était le jour même du décès, tu vois. Il a fait le remix. Le remix, il est lourd. Hein. Ouais, il est lourd. Ouais, vraiment, Freeze Corleone, un rappeur que peut-être vous ne connaissez, la majorité ne connaissent pas au même titre que Booba. Mais nous qui sommes des amateurs de bon rap, de bon hip-hop, on suit ce type de jeune. C'est un petit vraiment qui a fait un gros carton avec son album Freeze, c'est quoi? C'est Freezrael. Hein? LMF, la menace fantôme. Voilà, le morceau Freezrael, ça arrache. Versati pour les sandales, faut que c'est négro, c'est des snitch, c'est des randals. On CF alors flow fait 100 balles, rien que je les croche, je les mets dans la sauce 100 balles. Voilà, on a des gars, des mecs comme Gazo. Nouvelle Lobo, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle Lobo, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Driller vers 4, on les pique au bout. C'est le professeur, on va dire, de la drill en France. C'est vraiment le gars qui, de plus en plus, s'affirme. Mais le X, c'est que le mec, il vient vraiment péter. Il vient péter de ouf, là. C'est le confinement qui... au début de la période de confinement, là. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de trucs qui font en sorte que, bon, voilà. C'est un peu chaud, parce que son projet Drill et Faire, là, vraiment, c'est un projet assez sombre. Il a fait des bons feats aussi, voilà. Ouais, il a fait des bons feats, à l'exemple de HP, des gars de la street. On a Hamza qui apparaît, regarde un peu le morceau avec Freeze Corleone, Drill et Faire 4, qui vient de prendre un disque d'or, là. Récemment, là, il a eu un disque d'or, tu vois que c'est des mecs comme ça, là, vraiment, qui ont cette maîtrise. Du flow drill en fait, du mouvement drill, et vraiment tu sens que c'est le rap de son temps en fait. Donc le frangin, il est vraiment à l'aise, c'est vraiment bien. Chers téléspectateurs, vous pouvez constater que le mouvement drill de plus en plus prend de la hauteur, prend de l'essor, touche de plus en plus de monde dans le monde entier, je dirais. Voilà, c'est à l'exemple au Gabon. Tu vois, on a des jeunes qui se mettent aussi de plus en plus à la drill. Si vous vous rappelez, sur le premier numéro de Original Undercover, vous avez eu mon petit Avoc qui, sur le morceau Drill Smoke, s'est fait découvert au niveau du mouvement drill. Parce qu'il nous sortait un projet tantôt, il était avec ses amis et il préparait beaucoup d'autres sorties drill. Le clip, il est finalement sorti. Je vous laisse découvrir ce clip de Avoc.
Le morceau s'appelle Drill Smoke et on se retrouve juste après Drill Smoke pour parler du mouvement drill avec mon petit Trapatoni pour continuer dessus et voir de quoi il s'agit concrètement. Yes I. Allez, et bois beau vent, et bois beau vent. Star Wars. Wakumete, ok. Wakumete, Wakumete. Me manu bamba diatrap. Wa bune na on ma bodi. Ma ina kwa na pou chifre. Ma ina va la piti. Ma ou li yon kola. Ma vu yon koba. Wa koume na ame tilde. Rapa ne fa ma kode. Me menanyu ba ma diatrap. Wakumete, waije, wakumete. Ok. Me menanyu ba ma diatrap. Wakumete, waije, wakumete. Ok. Allez, et bobo vent, et bobo vent. Allez. Sale Bouddha, baby. Oupa. Benzo. Tawaz Locali 2N43 Maneke Boko Loulou Iso Locali Boss Derrick Maman Agnou Bamba Diatrap. Eh, Wakumete. Ouais, vous voyez que le mouvement drill est bien installé en Afrique et au Gabon. Vous avez pu constater qu'Avoc a tout niqué sur ce morceau Drill Smoke. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis toujours avec mon petit Trapatoni. Et on est bel et bien. On vient de s'improviser sur la rubrique originale Underground en même temps. C'est le noir, ma gueule. Voici Trapatoni, la parole que je vais laisser la possibilité de se présenter à vous. C'est un jeune rappeur aussi qui, de plus en plus, enregistre des sons drill. Bon, je vais laisser Trapatoni s'exprimer. Déjà, Trapa, à ta provenance, il faut d'abord situer nos téléspectateurs. Trapatoni, la parole, a.k.a. la philo du Sensei, mon frère. Ok, la philo du Sensei. Signé au sein du label Genius Music, yes. Label indépendant gabonais. Ok. Bon, j'ai des projets. J'ai, ouais. En parlant de drill, comme on est sur le concept, j'ai un projet qu'on a effectivement fait ensemble. On a un morceau que je vais présenter qui s'appelle Kior. Le morceau, c'est tendance puisque c'est de la drill qui est la tendance. D'accord. Ça parle un peu du front. Ouais. Donc Kior, c'est un morceau, moi-même je suis impliqué. Parce que c'est un son drill, parce que c'est le mouvement en ce moment pour beaucoup qui se disent que ouais, les mecs ils kickent plus, ils font pas ça. Donc on va se savourer Kior et on se retrouve juste après pour parler de la suite des projets de Trapatoni et se dire au revoir pour cette émission du jour sur la drill music. Yes I. Oh.
Ils disent qu'on avait disparu dans le rap. 10 ans plus tard, je suis toujours sur la traque. Y'a ceux qui mangent, y'a ceux qui ont la graille. Y'a ceux qui sortent en vampire à la night. Nous on est de ceux-là qui fallent à la maille. Ils disent qu'on avait disparu dans le rap. 10 ans plus tard, je suis toujours sur la traque. Allonge les liasses ou je prolonge ta sieste. Y'a l'odeur du gaz qui parfume dans la pièce. Je manie la mélo. Faut que les salauds. Le guetteur est malin, tu sais qu'il barre dans vélo. Tout pour la moula. Fais pas la mala. Tu chef, j'ai le maillot. Sur le rentrée, les poulets sont criés, je ramène la maillot. Cacher les ballots. Tu sors en vampire, mais tu rentres dans la sec. Toujours carré, même quand je rentre dans le cercle. Fais vite, allonge la quicheta. Rocher comme des rallonges de couche-ta. Tu prends des rallonges, vas-y, couche-toi. Ils disent qu'on avait disparu dans le rap. 10 ans plus tard, je suis toujours sur la traque. Y'a ceux qui mangent, y'a ceux qui ont la graille. Y'a ceux qui sortent en vampire à la night. Nous on est de ceux-là qui fallent à la maille. Spaghetti, petit pois. Ne me souhaite même pas bon appétit. T'es qui toi? Quand j'avais chié dans les chubs, s'il te plaît, grand m'appelle pas petit. Mec j'ai grandi, j'suis devenu un warrior. Méga spliff, ça sent pas Christian Dior. Shout out à mes gens dehors, mes jeunes délinquants qui te vendent le cœur. Mes attaquants, ceux qui se sentent fiers, seulement quand il s'agit de défendre le fief. Négatif. Si cette fois y'a pas la maille, on se bat. Et si tu t'embrouilles, si tu fais le lascar, on s'en bat le ouf, mais on fait la star. J'suis dans le way they go wake up. Ils disent qu'on avait disparu dans le rap. 10 ans plus tard, je suis toujours sur la traque. Y'a ceux qui mangent, y'a ceux qui ont la graille. Y'a ceux qui sortent en vampire à la night. Nous on est de ceux-là qui fallent à la maille. Ils disent qu'on avait disparu dans le rap. 10 ans plus tard, je suis toujours sur la traque. Allonge les liasses ou je prolonge ta sieste. Y'a l'odeur du gaz qui parfume dans la pièce. Yo 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 la famille, on était sur le titre Kior de Trapatoni en featuring avec Fox, le SD, vraiment du sombre. Tu as pu constater la tendance, tu as pu constater la qualité, tu as pu constater l'obscurité qu'il y a dans ce rythme qu'on appelle la drill music. Voilà, aujourd'hui on n'a pas eu d'invité en tant que tel, mais voilà, Trap a été sur notre rubrique Original Underground. On a parlé d'un sujet qui concerne les amateurs et les professionnels de hip-hop, donc la drill music. On va se séparer comme ça, peut-être des projets à venir, Trapatoni. Ouais, il y a des projets, j'ai mon projet solo, ouais. La philo du sensei. La philo du sensei. Oui, qui arrive, il y a un projet aussi, Rentre dans la secte. Rentre dans la secte, un projet, ouais. Projet en collaboration avec toute la secte. Ouais, auquel tu participes aussi avec toute Genius Music. SO à la secte, ouais, direct. SO, ok. Il y a le projet Nzeng Drill. Le Nzeng Drill. Force, là, voilà, en parlant de drill musique. Ouais, on parle de drill musique. Ouais. C'est ici. Donc, c'est un projet composé de quels éléments voilà. C'est un projet initié par un gars de l'ombre que je tiens le nom. Tu tais le nom en fait. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que ça sort de Nzeng quand même. Ouais, ça sort de Nzeng. Ouais. Collaboration et tout, mais vous allez découvrir. Ok. Ouais, si sa mère, ils sont pas prêts. Ok, d'accord. Donc voilà, on va séparer avec les projets à venir de Trapatoni. On a parlé de Rentre dans la sec, qui est un projet produit par Iskosa. Un projet comme Rentre dans le cercle qui est produit par Genius Music, excusez-moi, le Nzeng Drill qui est produit par Iskosa et l'EP de Trapatoni qui arrive bientôt, la philo du sensei, restez focus. Peut-être des liens, des pages là où on peut te trouver. Ouais, retrouvez-moi sur Trapatoni La Parole, sur Facebook. Sur Trapatoni La Parole, sur YouTube, sur. Sur YouTube, vous, sur la chaîne de Genius Music TV 241, abonnez-vous. Ok. Il y a des trucs qui arrivent sombres. Ok. Restez connectés. Ok, restez connectés, c'est comme ça qu'on se. Ok, SO la famille. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de l'émission Original Undercover. Vous étiez avec Fox, le SD. Restez bien peinard chez vous sur la suite de nos programmes et on se retrouve pour la prochaine fois. Yes, I, yo, Trap. Si tu envoies mon shooter, c'est pas pour des photos. C'est pas pour un fichier, c'est pas pour un album. Qui boule dans le shooter, ici t'as pas de photo. Je te parle pas de shooting, tu peux mourir trop tôt. Vous pouvez mourir très jeune, on peut creuser ta tombe. Fais-moi un dernier sourire avant de rejoindre le très haut. Allô, c'est Nzeng pour la drill 1.